Le mécanisme qui nous intéresse au laboratoire en particulier, c'est un mécanisme, je vous dis, donc, qui mène à l'immortalité de la cellule cancéreuse. Alors, qu'est-ce qu'on entend par immortalité? L'immortalité, c'est la capacité de se diviser indéfiniment, donc de donner naissance à de nouvelles cellules indéfiniment. Le secret de cette immortalité se tient en fait dans le bout de nos chromosomes, les télomères. Nos cellules à nous vieillissent parce que nos télomères s'usent au fur et à mesure de la division cellulaire. C'est ce qui va rendre la cellule, qui va faire que la cellule va vieillir. La cellule cancéreuse a détourné ce qu'on peut appeler cette horloge biologique en mettant en place un mécanisme pour garder ces télomères constants au fur et à mesure de la division cellulaire. Et c'est ça qui la rend immortelle. Et on s'est rendu compte que dans les cancers de l'enfant, en particulier les cancers de l'os, les cancers du cerveau également, la cellule cancéreuse, pour maintenir ses télomères, donc pour maintenir cette horloge biologique, je dirais, pour la bloquer, cette horloge biologique, a mis en place un stratagème absolument incroyable qui lui permet de maintenir ses télomères d'une façon saugrenue et absolument pas physiologique. Ce mécanisme d'immortalité, il est présent dans aucune des cellules de l'enfant, ni de l'adulte par ailleurs. Donc si on arrive à cibler cette chose, ce mécanisme dans le cancer, on va cibler la cellule cancéreuse, mais épargner le reste des cellules normales de l'enfant, ce qui est très important. Le cancer de l'os chez l'enfant est traité toujours avec ce qu'on appelle de la chimiothérapie conventionnelle, avec des molécules qui sont vieilles de plus de 10 ans, qui sont extrêmement toxiques. Contrairement à d'autres cancers où on a pu évoluer et avoir des thérapies ciblées, de l'immunothérapie, là ici, ces molécules peuvent avoir un impact sur la santé de l'enfant à long terme, sur sa croissance, sur son développement. Et c'est pour ça qu'en fait, on a besoin de projets de recherche qui puissent montrer, mettre à jour des nouvelles molécules qui soient beaucoup plus spécifiques et qui limitent ces toxicités. Ce projet fait appel à une collaboration avec l'hôpital Clinique Saint-Luc qui sont juste derrière, en particulier le service d'oncologie pédiatrique. Cette collaboration est absolument primordiale. Elle nous permet d'avoir accès à des tumeurs, donc des biopsies de tumeurs de l'os de l'enfant, sur lesquelles on pourra tester nos molécules qu'on aura identifiées comme étant des molécules qui vont cibler cette immortalité avant de pouvoir passer en essai clinique où on les testera à ce moment-là chez les patients. Ce projet va être possible grâce à l'aide qui nous a été donnée par les fonds Bovin, l'ISPE, Brancard et RAS, gérés par la Fondation Roi-Baudouin, qui vont nous aider donc terriblement dans ce projet. La situation idéale, ce serait de développer des chimiothérapies qui n'ont un effet que sur la cellule cancéreuse et qui vont pallier tous les tissus normaux de l'enfant, lui permettre par après, une fois que le cancer sera traité, d'avoir une vie normale et de ne pas subir les effets néfastes de la chimiothérapie qu'il aurait eu quand il avait 10 ans. Le traitement actuel dure à peu près un an. Il consiste d'une chimiothérapie d'un côté et évidemment d'une chirurgie. Et la chimiothérapie, là on a les effets secondaires connus comme la perte des cheveux, les infections et les nausées et les vomissements. Donc c'est très dur pour un enfant de faire ça. Avec tout ce traitement, les résultats ne sont pas parfaits. Il y a toujours des enfants qui rechutent après le traitement. Il y a parfois des enfants qui décèdent. Cette recherche sur les télomères, c'est une nouvelle piste pour essayer d'améliorer les résultats au niveau de survie et au niveau de la qualité de survie, donc la qualité de vie après le traitement. C'est d'ailleurs un mécanisme qui pourra peut-être aussi servir aux adultes avec des osteosarcomes et peut-être aussi dans d'autres types de tumeurs comme certaines tumeurs cérébrales. La découverte des télomères et de la télomérase il y a quelques années, couronnée par le prix Nobel en 2009, a éveillé un engouement de monstre dans la population, puisqu'on s'est dit, ça y est, on a trouvé le secret de la jeunesse éternelle, la fontaine de jouvence de nos cellules. Mais les recherches qui après en ont découlé, notamment dans le cadre du cancer, nous auront appris une chose, c'est que rendre les cellules immortelles est une mauvaise idée, c'est dangereux, l'immortalité est dangereuse. Rendre nos cellules immortelles est une porte d'entrée énorme qu'on donne aux cellules cancéreuses. Et donc, à la place de vivre plus longtemps, on vivra avec le cancer.